Salut à tous et à toutes, c'est Narcotai. On se retrouve pour une toute nouvelle aventure sur un jeu Pokémon. Il s'agit de Pokémon version bleue. Voilà, voilà. Allez, on va commencer, donc nouveau jeu. Oh, Professeur Shen, bien le bonjour. Bienvenue dans le monde magique des Pokémon. Mon nom est Shen. Les gens souvent m'appellent le Prof Pokémon. Très bien, monsieur. Ce monde est peuplé de créatures du nom de Pokémon. Pour certains, les Pokémon sont des animaux domestiques. Pour d'autres, ils sont un moyen de combattre. Pour ma part, l'étude des Pokémon est ma profession. Tout d'abord, quel est ton nom? Bon, on va choisir mon nom. Donc moi, c'est Narcotai. Est-ce que je peux mettre les minuscules? Ouais, parce que sinon c'est pas beau. J'aime bien la perfection. Alors, Narco. Et je m'appelle Narco, tout simplement. Ok. Ok, ton nom, est donc Narco. Absolument. Voici mon petit-fils. Il est ton rival depuis sa toute jeunesse. C'est quoi donc son nom déjà? Alors, je vais l'appeler Fighter. Je vous explique après pourquoi je l'appelle Fighter. Alors, elle est où le F? A, B, C, D, F, minuscule. Est-ce que ça va rentrer? I, je sais pas. G, H, hop, hop, hop. T, E, R. Ah bah ça va rentrer, nickel. Voilà. Fighter. Ok. Ah oui, je me souviens. Son nom est Fighter. Hey, hey, Narco. Taquet des Pokémon est sur le point de commencer. Un tout nouveau monde de rêves, d'aventures et de Pokémon t'attend. Dingue. Voilà, donc je me fais rapetisser, comme un petit rapetisser. Voilà. Alors, je suis dans ma chambre. Alors, avant de commencer, je vous explique un petit peu pourquoi mon adversaire s'appelle Fighter. Alors, en fait, si vous voulez, avec le Fighter, on a décidé de faire un let's play sur Pokémon. Chacun sur une version différente de la première génération. Donc pour ma part c'est Pokémon version bleue. Et pour sa part ce sera Pokémon version rouge. Donc on va essayer de s'attendre hein, pour publier les vidéos etc. Pour qu'on soit le plus synchronisé possible. Allez, on va parler à ma maman. Mère. Bon, il arrive qu'un jour le fils aimé quitte la maison. C'est la vie. Le prochain te cherche. Il est dans la maison voisine. La maison voisine. La maison de la voisine. Mais qu'est-ce qu'il fait chez la voisine? Chienne. Non. Que fais-tu? Bon, allez. On va pas déconner, on va aller chez la maison de la voisine. Maison de Fighter. On a la même maison. Allez. Salut Narco. Fighter est dans le labo de Pépé. Ok, right. Allez, on va dans le labo de Pépé. Mais qu'est-ce qu'ils font tous les deux? Fighter, qu'est-ce que tu fais avec Pépé? Oh. Ah bah voilà Fighter. Yo Narco. Pépé n'est pas là. Ah. C'est bien dommage. Bon, on va aller le chercher. Peut-être par là-haut. Oh oh. Hey, toi là. Ne pars pas. Mais qu'est pas ça? C'est super dangereux. Des Pokémon sauvages infestent les hautes herbes. Il te faut un Pokémon pour te protéger. J'ai trouvé. Suis-moi. Oh, miracle. On va accélérer un peu. Voilà. Fighter, donc. Pépé, j'en ai marre d'attendre. Ah, c'est dommage. Fighter? Ah, c'est vrai. Je t'ai dit de venir. Putain, mais le mec s'en souvient de rien. Tiens, Narco. Voici 3 Pokémon. Mais, ils sont dans les Pokéballs. Plus jeune, j'étais un sacré dresseur de Pokémon. Eh oui. Mais avec l'âge, il n'en reste plus que 3. Choisis-en, hein. Mais Pépé, mon Pépé, et moi? Patience, Fighter. Tu en auras un aussi. Ok. Donc. Salamèche! Veux-tu le Pokémon de feu Salamèche? Non. Là, ça va être le Pokémon de plante. Ah non, même pas. C'est la tortue. Donc, est-ce que je veux le Pokémon de l'eau Carapuce? Non plus. Et le troisième Pokémon proposé est Bulbasaur. Pokémon de plante. Le Pokémon des plantes. Bulbasaur. Non plus. J'en prends aucun, moi je me barre comme ça moi. Non, je déconne. Hey, ne pars pas tout de suite. Merde. Ah, Mike Ken. Bon.
C'est Pokémon version bleue. On va prendre Carapuce. Tu es le Pokémon de l'eau, Carapuce. Ouais. Alors, il faut qu'on prévoie, en fait. Le seul truc, c'est que je vais arriver. Première arène, pierre, Pokémon de type pierre, avec Bulbizarre, nickel. Après, Ondine, elle aura des Pokémon de type eau, donc eau, ça va, je vais résister, mais bon, un Bulbizarre serait mieux. Et un Pokémon plante est aussi efficace contre des Pokémon pierre. Donc, ce serait beaucoup plus judicieux de prendre Bulbizarre pour commencer l'aventure. Du coup, je sais pas. Est-ce que je prends Bulbizarre, est-ce que je prends Carapuce? Carapuce, il aura le swag. En plus, on est dans Pokémon bleu, quoi. Mais Bulbizarre, pour commencer l'aventure, c'est cool aussi. Ou alors, choisis la difficulté, je prends directement Salamèche. Parce que contre la pierre, ça marche pas, et contre l'eau, on est niqué. Non, allez, on va garder un niveau intermédiaire, on va dire. Donc, je vais prendre Carapuce. Ce Pokémon est très énergique. Narco obtient Carapuce. Voulez-vous donner un surnom à Carapuce? Non. Surtout pas. Et lui, forcément, il prend le Pokémon de type opposé, celui qui me fait le plus mal. Fighter reçoit un bel bazar. Allez, donc là, je vais faire pour me barrer, mais... Oh. Minute, Narco. Voyons lequel de nos Pokémon est le plus fort. Allez, viens te battre, minable. J'arrive. Enfin, je bouge pas, c'est à toi de venir. Ah, début du fight. Fighter veut se battre. Fighter fait appel à... Bulbizarre. Oh non, un Bulbizarre. Jamais j'aurais cru. En avant, Carapuce. Alors, attaque, charge. On va attaquer la charge, voilà. Bien. Bulbizarre, hein, charge. Voilà. Coup critique, bah forcément. Forcément. Mais il échoue. Ok, charge. Encore charge. Bah, je prends l'avantage. Rugissement. Là, il va me faire mal. Deux fois rugissement, donc là je perds pas mal d'attaque, donc ça fait mal. Et moi je peux plus. Non. Ouh, ça a échoué. Allez. Ouais, j'arrive plus grand chose, hein, comme dit. Non, charge aussi. Bon, ça va, il m'a pas fait de coup critique ce coup-ci. Il continue à me faire rugissement pour me faire perdre de la force. Ça, c'est pas très cool. Oh, coup critique. In your motherfucking face, Bulbizarre. Et voilà. J'ai gagné. Bulbizarre ennemi est KO. Carapuce gagne 67 points d'expérience. Et je monte au niveau 6. Narco a vaincu Fighter. Et voilà Fighter. C'est qui le plus fort, hein? Quoi? Incroyable! J'ai pas pris le bon Pokémon. Narco gagne 175 Poké-Dollars. Ok, je vais entraîner mon Pokémon. Narco, Pépé, à plus tard. Allez, je te casse. Ok, bon là j'ai plus rien à faire. Est-ce qu'il y a lui qui va me parler ou quoi? Non. J'assiste le prochain. Je suis donc son... Tada! Assistant! Wouhou! J'assiste le prochain, je suis donc son... Tada! Assistant, c'est les deux mêmes. Ok. Il va pas me donner Pokédex ou je sais pas quoi? Ok, cool. Mais moi je voulais le Pokédex! Bon, c'est pas grave. Je suppose qu'en sortant, ça va le faire. Ta-da-da. Ok. Pour l'instant j'ai pas de Pokéball ni rien. Faut que j'arrive en haut, sain et sauf. Tu peux juste se décaler parce que j'ai pas envie de faire un grand détour, hop. Ah fuck. Que tu te décales ou pas, je me tape un Pokéball. Un ratata. Ratatatatatatatata. Allez, niveau 3. Au niveau 6, tout va bien. Bon allez. Encore deux attaques, ça devrait le faire. Charge. Ouh, ça pique un peu quand même. Hein. Et voilà. Trichotage de ratata. Hop, là. La forêt. Et on n'a pas réussi à passer cette mare d'autres herbes. Ça veut rien dire, je sais. Bon. Allez, charge. Oh my god. Alors, quant à la durée des épisodes, je vais essayer de faire des épisodes qui avoisinent les 30-40 minutes. Donc, voilà.
pour Pokémon version gemme. Ouais, niveau 7, wouh. Sur ma première chaîne YouTube. J'avais plus de 160 épisodes, je crois. Je faisais des vidéos relativement courtes. Et je vais pas faire 160 épisodes, ça va être impossible, quoi. Alors, je vais soigner un petit peu mon petit Pokémon, qui a pris dans sa gueule un peu là maintenant, du coup. Allez, soin. Confiez-nous vos Pokémon. Mon Pokémon, hein. Parle au singulier quand j'en ai qu'un seul. Perch. Allez, vas-y, ciao. Non, non. On va au magasin, shop. Hey, tu viens de voir Palette? En effet. Tu connais le prochain? En effet. Sa commande vient d'arriver. Peux-tu lui rapporter? Marco obtient le colis de chien. Vas-y, tu m'as pris pour son chien ou quoi là? Bah voilà la merde, qu'est-ce que tu fais? Bon allez. Du coup on va rapporter le colis à Chen. Ah, j'ai pas encore les chaussures pour accélérer. Bon, je peux accélérer le jeu hein, dans sa vitesse. Mais comme j'ai fait tout à l'heure, mais bon. La flemme. Enfin, c'est pas que la flemme, parce que s'il se passe un combat ou quoi, j'ai pas envie que vous le ratiez. Par contre, je vais essayer de le faire. Attention, accélération, go! Ah, voilà. Je suis tombé sur un ratata. Lors de mon ultime accélération. Alors, attaque, charge. L'attaque de Carapuce a échoué. Oh non! Mimique. Charge. Oui. Ah, il a échoué! Encore charge. Allez, encore une attaque et ça devrait le faire. Je perds de la défense, mais en contrepartie, il m'attaque pas, donc je vais pas perdre de la vie, quoi. Allez, on descend. On va retourner voir Shen. Hey, Pépé, il y a ton colis. Tiens, cadeau. Narco, comment va ton Pokémon? Je crois qu'il t'aime bien. Oh. Tu m'as l'air doué pour entraîner les Pokémon, j'ai monté que de deux niveaux, quoi. Comment? Tu as quelque chose à me donner? Narco donne le colis de Shen. Waouh. Hein, c'est la Pokéball que j'ai commandée. Merci. Pépé! Putain, Fighter, mais qu'est-ce que tu viens foutre la merde, là? Vas-y. Alors, pourquoi tu m'as appelé? Bon, j'ai une faveur à vous demander. Oh, encore. Après le colis, une autre faveur. Il y a sur ce bureau mon invention. Le Pokédex. Waouh. Il enregistre des informations sur les Pokémon rencontrés ou capturés. C'est comme une encyclopédie, en fait. Narco et Fighter. Prenez ces Pokédex. Narco obtient le Pokédex. Wouhou. Faire un guide complet sur les Pokémon du monde entier. C'est mon rêve. Mais je suis trop vieux maintenant. Oh, c'est dommage. C'est pourquoi je veux que vous terminiez mon travail. Ah bah voilà, merci hein. Allez, relais jeunesse. Que la grande quête des Pokémon commence. Ok, Pépé. Donne-moi les tous. Donne-les-moi tous. Merde. Narco, c'est clair. J'ai pas besoin de toi. Minable. Je sais, je vais voler une carte à ma sœur. Et je lui dirai de ne pas t'en donner une. Gnark. Fighter, Fighter. Tu sais pas qu'il y a une relation secrète avec ta sœur? Que si je lui demande une carte en secret, mais... Elle va me la filer, qu'est-ce que tu crois? Allez, on va gratter la carte à ta sœur. Hop là. Tu dois faire une course pour Pépé? Prends ceci, ça peut te servir. Narco obtient carte. Carte. Voilà. Hop, merci, Sista. Bien, bien. Allez, du coup, on va repartir. Je vais essayer de voir un truc avant vite fait. Je vais essayer de voir la madré. Oh y'a madré. Narco, tu devrais faire une sieste. Bah voilà, génial, c'est pas ça que je voulais pas te dormir moi. Ah bien, toi et tes Pokémon, elles sont en pleine forme. Bon bah c'est cool écoute. Oh shit, motherfucker, un Pokémon. Un ratata. En avant, Carapuce. Niveau 7. Charge. Pas moi, hein. Mimique. Je perds de la défense. Pas grave. Yep. Encore Mimique. Donc je perds encore de la défense. Très bien. Objet. J'ai encore rien dans les objets. Et voilà. Le ratata ennemi est KO. Carapuce gagne 24 points d'expérience.
Allez. Oh, c'est toujours au même endroit, hein. Encore au même endroit que la dernière fois, on rencontre un Pokémon. Un Roucoule cette fois-ci, tu en avais pas encore rencontré. Carapuce, go! Roucoule lance Tornade. Ah bah voilà, bien. Merci Roucoule. Tu m'as fait perdre 3 PV. Bon. Traite de plaisanterie. Coup critique. Motherfucker. Oh shit, Tornade. Eh mais... Tu fais mal hein Roucoule, hein, sans déconner quoi. Et voilà, j'ai gagné 23 points d'expérience et je monte au niveau 8, c'est génial. Carapuce apprend écume. Oh c'est génial, double génial. Voilà. Alors, il n'y a pas des choses à voir là-bas, il y a un mec. On va voir ce mec après. Qu'est-ce qu'il a pour nous ou quoi? Là, il y a notre gentil petit garçon. Hop. Là-bas, il n'y a rien. On va remonter. Oh, motherfucker. Et voilà. On tombe à nouveau sur un Pokémon. Ratata, on va tester ma nouvelle attaque écume. Attaque écume. Bam. Ah bah, ça marche quand même beaucoup mieux, hein. Et il perd de la vitesse en plus. C'est génial. Je vais pouvoir le bichoter. Et voilà. En deux coups. Hop, ça y est, on a réussi à passer. On est de retour dans cette magnifique ville. Bonjour monsieur. Tu veux tout savoir sur les deux types de chenilles Pokémon? Non. Moi je veux rien savoir. Je vais vous l'expliquer. Il y a deux types de chenilles Pokémon. Il y a donc Chenipan et Aspico. Chacun se transforme en un cocon, donc cocon fort et Crisacier. Crisacier donne Papillusion et cocon fort donne Dardanian. Tout simplement. Et là je peux acheter des Pokéballs. Je peux acheter plein de Pokéballs. Pokéballs. 15 Pokéballs. Yep. Merci. Il reste 175. Et de toute façon, il n'y a rien d'autre qui m'intéresse à part les Pokéballs. Merci. Ciao, ciao, Ninga. Allez. On va se soigner. Lui, il veut quoi, lui? Il y a un centre Pokémon dans chaque ville. Tu peux soigner gratuitement tes Pokémon. Merci pour l'information, jeune homme. Allez, soigne mon Pokémon, toujours un à l'unité, tout seul, hein. Il est tout seul, le pauvre, il est tout seul. Va falloir lui trouver des congénères. Non, 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 je viens de le soigner, je vais pas le soigner, non. A bientôt, vas-y, ciao. Allez. On va trouver des congénères pour notre carapuce. Donc, d'abord, on va passer par là. Toc, vous allez comprendre pourquoi. Bandant matin. Salut, je travaille à la boutique Pokémon. Nous avons plein d'articles. Viens nous voir à Jadiel. Prends donc ceci comme échantillon. Marco obtient potion. Voilà, nous avons aussi des Pokéballs pour capturer les Pokémon. Merci, je sais, je viens d'en acheter une quinzaine. Voilà, donc c'était pour ça que je voulais voir ce petit jeune homme. Il avait une potion de filet. Lui, qu'est-ce qu'il veut? Tu vois ces rebords le long de la route? Wesh, tu peux sauter par-dessus. C'est dingue, non? Waouh, tu peux sauter les murs, c'est dingue. Tu peux revenir plus vite à Bourg-Palais de cette façon. Ok, ok. Alors, on va se promener un petit peu. Cette fois-ci, quand on cherche des Pokémon, on tombe pas dessus. C'est quand même miraculeux, quoi. Ah, voilà, c'est bon. Roucoule. Roucoule, tu vas finir dans mon équipe. Attaque, écume. Roucoule lance Tornade. Oh shit. Charge. Très bien. Encore Tornade. Pas grave. Objet. Pokéball. Alors là, Narco utilise la Pokéball et voilà, Roucoule est capturé. Donc voici mon deuxième Pokémon. Tudum. Voulez-vous donner un surnom à Roucoule? Eh non. Je donne pas de surnom moi au Pokémon. C'est complètement débile je trouve. Parce que ça dénature le Pokémon en lui-même quoi. Enfin, bon. C'est un avis personnel. J'ai dit la même chose hein, au début de mon let's play sur... comment ça s'appelle? Sur Pokémon version j'aime. Allez, attaque, écume. D'ailleurs dans la description de cette vidéo je vais vous mettre le lien
vers ma... Oula, vers la playlist de mon premier let's play sur mon premier Pokémon, qui était donc Pokémon version gemme. Alors, tant mieux. Pokéball. Franchement, pour le nombre d'abonnés que j'ai sur ma deuxième chaîne, donc j'ai même pas 100 abonnés à l'heure actuelle où je vous parle, et j'ai des vidéos qui dépassent les 700 vues, c'est complètement énorme. J'aurais jamais pensé que j'aurais pu toucher autant de monde en fait avec des vidéos sur Pokémon, enfin... C'est juste énorme. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai voulu refaire un Pokémon, parce que ça a l'air de plaire à pas mal de gens, puis moi je suis un Pokéfan, je connais tout sur tout, sur tous les Pokémon. Donc c'est l'occasion de vous montrer un petit peu ce qu'il y a à savoir. Allez, soignons les Pokémon. D'ailleurs, spoil. Vous savez que dans Pokémon version bleue, il est possible par un petit bug d'avoir Mew. Mais saviez-vous qu'il est possible d'avoir deux Mew? Ah ah, ça vous embouche un coin là, on peut avoir deux Mew. Et ouais, on peut avoir deux Mew, et oui. Donc je vous expliquerai un petit peu le pourquoi du comment, deux fois, hein, parce que voilà, il y en a deux. Et on verra ça plus tard. Pfiou, j'essaye d'apprendre mes leçons. Ok, cool. Bah... Apprends tes leçons, madame. Mademoiselle. Bonjour, jeune homme. Des Pokéballs, mais t'as des Pokémon. Ouah, c'est cool de pouvoir s'en servir quand on veut, hein. Ok, toi tu me fais peur, hein. Donc... On va dans les hautes herbes qui sont un petit peu plus vers là-bas. Voilà. On va essayer de capturer ici, je crois qu'il y a des Piafabec et des Nidoran. Il me semble, hein, je m'en souviens plus. Nidoran ! Voilà. Donc Nidoran, je crois, la barre vers le bas, ça veut dire femelle. Ouais, c'est femelle ça, je crois. Kukriti. Très bien. Ah, t'as échoué. C'est dommage, hein, mon cher. Pokémon. Non, non, pas Pokémon. Objet, n'importe quoi. Mais pas la carte. Mais non. Pokéball. Voilà. Pélélim. Alors, top cool. Nidoran est capturé. Le profil de Nidoran est transféré sur le Pokédex. Voilà. Les femelles ont des dards plus petits. Donc c'est une femelle. Non. On va continuer notre petite recherche ici. D'ailleurs, on peut voir s'il n'y a pas quelque chose là où il n'y a rien, s'il n'y a pas quelque chose plus loin. Oh! Ah ah! Fighter! Hé, hey, Narco! Tu vas à la Ligue Pokémon? Laisse tomber. T'es bien trop minable. En plus, il te faut des badges. Les gardes ne te laisseront pas passer un minable comme toi. Enfin, si tu veux, je suis prêt à exploser tes Pokémon. Oh, motherfucker! Combat! J'avais pas prévu ça, en fait. Bon, il a deux Pokémon. Trop cool. Niveau 9. Ouh. Oh my god. Ah, j'avais pas du tout prévu ça. Aïe. Vais-je perdre mon premier combat? Non mais arrête de faire jet de sable, ok c'est cool à un moment, mais bon, ouais voilà, forcément. Là il va me faire tornade, voilà, et dans ma gueule. Oh putain. C'était pas censé se passer comme ça en fait. Ah, il a perdu vitesse, mais à cause de lui, ben je peux pas quand même enchaîner sur ce que je veux, quoi. Coup critique. Jet de sable. Allez, si j'arrive à lancer écume... Oh putain, non. Jet de sable, bon, il continue, hein. Comme ça, j'aurai plus de précision de Johto. Bon, là, j'ai réussi. Bam. Très bien, génial. Je monte au niveau 9. C'est très bien. Fighter va appeler Butte Bizarre. Voulez-vous changer de Pokémon? Ouais. Ouais, carrément. Je vais prendre mon petit Nidoran qui va se sacrifier. En avant, Nidoran. Je vais faire objet et je vais carrément faire potion sur Carapuce. Voilà, comme ça c'est génial. Charge, l'attaque de Butte Bizarre a échoué. Nickel. Alors, charge. On peut lui faire rugissement, bon c'est pas grave, c'est fou. Je vais faire rugissement aussi, tiens. Si je meurs pas, forcément je meurs. Bon. Désolé Nidoran. Ratata.
Charge. S'il ne me tue pas... Ça va. J'arrive pas à grand chose, mais c'est toujours ça d'enlever, quoi, on va dire. Et ouais, là maintenant il récupère de la vie. Non. Ah bah il a déjà fait quand Pigrain, il est bête. Il se régénère, mais il se régénère pas autant de ce qu'il m'a enlevé en fait, donc c'est cool. Avant qu'il se remette trop de vie. Pokémon. Carapuce. Go. Charge. Bon. Tu veux jouer ça? On va jouer à ça. Charge aussi. Ah mais non. Encore un Pigrain. Pas grave. On va résister. S'il fait charge plus Vampigraine à chaque tour, ça risque d'être pas mal compliqué, je pense. Ouais, non, ça va le faire, allez. Notre premier combat assez difficile dans le jeu. On est au tout début du jeu, on tombe sur... sur Fighter, hein, qui a déjà bien monté ses petits Pokémon. Rugissement. Ah voilà, bah c'est nickel. Voilà. Fighter battu. Ouf. Ratata qui va monter au niveau 3. Ça c'est bien ça. Du coup j'ai fait venir Ratata. Et j'ai vaincu Fighter. Ha. Tu as une chance de minable. Minable. Il paraît qu'il y a des dresseurs balèzes dans la Ligue Pokémon. Tu dois trouver un moyen de les battre. Tu devrais t'y mettre aussi. Minable. T'en as pas marre de m'insulter comme ça, de minable. Tu sais que c'est dur pour moi. Bon bref, allez. On va soigner un petit peu tout ça. Avant de continuer notre petite aventure. Parce que là, nos Pokémon sont plutôt mal en point. Ben. Allez. Soignons les Pokémon. Bienvenue dans notre centre Pokémon. Nous soignons les Pokémon. Soin. Maintenant, on peut dire vos Pokémon parce qu'il y en a 4. Mouahaha. A bientôt. Voilà. Allez, on va retourner un petit peu voir s'il n'y a pas d'autres Pokémon intéressants là-bas. Alors ça, ce genre d'herbe. Bon, vous le savez certainement, mais bon. Je parle à ceux qui ne connaissent pas Pokémon. Il faut avoir une capacité spéciale qui s'appelle coupe pour pouvoir passer. Une capacité qu'un Pokémon de type plante pourra acquérir par la suite de l'aventure. Qu'y a-t-il là-bas? Y a-t-il quelque chose? Il y a l'entrée de la ligue. Wouhou! Sauf qu'on va pas... Seul un dresseur expérimenté peut passer. Il n'y a pas de badge rush? Non. La loi est dure, mais c'est ici. Tu ne peux pas passer. Non. On s'en doutait un petit peu, on va pas faire la ligue au bout de 20 minutes de jeu. Hein, quand même. On va voir les Pokémon qui nous sont proposés ici. Avec un peu de chance, on pourra trouver un Pokémon sympa, je pense. Encore un Nidoran. Bon. J'en ai déjà un. Hein. On va en profiter pour faire augmenter les capacités... Enfin, le niveau de Carapuce. Il perd de la vitesse, il en charge, il me fait perdre un PV, je refais écume. Il va perdre de la vitesse, mais il n'aura pas de temps de perdre... Ah si, il perd de la vitesse, mais il est pas mort. Non, s'il est pas mort. Je croyais que je l'aurais tué, mais non, même pas. Bon bah, voilà, en trois coups. Voilà, je gagne 25 points d'expérience. D'ailleurs, on va faire le test Pokémon. Carapuce. Stats. Alors... Prochain niveau dans 31 expériences. Voilà. Très bien. Allez. Encore un Nidoran femelle. Bon, niveau 2 cette fois-ci. Attaque. Écume. Et en charge. Oh. Attaque. Charge. Oh, et voilà.
Allez, encore un petit combat et je devrais pouvoir repasser au niveau 10. Normalement. Ah, encore un Nidoran femelle, non mais sérieux quoi. Attaque. Écume. Donc, l'épisode est bientôt terminé. Ça va faire une demi-heure, un peu plus d'une demi-heure que je joue, je crois. Faudra bien que je me chronomètre hein, à partir de maintenant, parce que là je regarde le temps un petit peu à l'arrache et c'est pas forcément bon. Enfin bref. 25 points d'expérience et je passe au niveau 10, génial. Donc dans la prochaine vidéo, on va se faire. Excusez-moi. On va se faire la forêt de Jade. La forêt de Jade. La première forêt en quelque sorte hein, du jeu. Et on va pouvoir voir donc les deux types de Pokémon chenilles. Qui sont Aspico et Chenipan. Si on a de la chance, on va même pouvoir capturer un Pikachu. Un Pikachu que j'aimerais quand même trouver. Pourquoi ? Pour battre Ondine en fait. Voilà. Donc la dressage de la deuxième arène. Ondine avec ses Pokémon en haut, un Pokémon électrique, fera très bien l'affaire. Bon. Ciao. Et pourquoi pas trouver un Pokémon plante aussi. Alors là, je suis en train de réfléchir, mais je vois pas trop quel Pokémon plante je pourrais avoir. Enfin bon. Bref. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer par là. On va voir qu'il y a une herbe qui nous bloque. Oh, un gâteau. Donc maintenant, on va retourner un petit peu vite fait direction le magasin. On va voir si on peut pas acheter quelques potions. Il n'y en avait pas tout à l'heure, mais si ça se trouve, il y en a maintenant. D'abord, on va voir cette maison. Ah non, c'est celle qui va prendre les cours. Travail, jeune fille. Magasin. Shop. Donc lui, il veut quoi, lui? Peu de potions, nous sommes en rupture de stock. Ah bah d'accord, c'est pour ça que je pouvais pas en avoir. On vend des antidotes dans cette boutique. Mais ça, je m'en fous. Salut, je peux t'aider. Ouais, y'a plus de potions. Je peux acheter que deux Pokéballs, de toute façon, j'ai presque pas d'argent. Hop, voilà, voilà, merci. Ciao. Il va falloir des Pokéballs, hein, si je veux avoir Pikachu, qui est un Pokémon, je vous le rappelle, qui est quand même assez galère à avoir. Mais non, mais je t'ai déjà parlé, toi. On peut pas accélérer, là, comme ça. Ah, voilà. Non. Bon, ok. Allez, ciao. Poké, poké. Allez, bah, vous savez quoi? On va renseigner nos Pokémon. On va vite fait voir... où est l'entrée de la forêt de Jade. Et puis on va terminer ce premier épisode sur Pokémon version bleue, ici. Non, non, mais je t'ai déjà parlé. Retour. A bientôt. Ouais, ciao. Allez, go. On remonte tout en haut. Par contre, j'étais pas censé avoir, par un moyen ou un autre, mais un screen capture. Ah, je viens de découvrir qu'on pouvait faire un screen avec carré. Screen. Oh. Attention. Screen. Oh. Excusez-moi. Ouais, en fait, je joue, j'ai branché ma manette, hein, si vous voulez, sur le jeu, c'est plus facile pour moi. Ah, un petit somme et un bon café, hop, la pêche pour la journée. Et bien sûr que tu peux passer. Mais au fait, t'es pressé? Non. Je vois que tu as un Pokédex. Capture un Pokémon, il sera mis à jour automatiquement. Que quoi? Tu ne sais pas comment attraper un Pokémon? Mais bien sûr que si, je sais, j'en ai déjà attrapé plein. Je vais te montrer. Mais pourquoi tu fais ça? Aspico! Donc voici le premier Pokémon chenille. Donc là, c'est pas moi qui joue, hein, c'est le vieux là, avec sa calvitie chelou là, qui nous montre comment on fait. Sauf qu'il nous montre pas qu'il faut l'affaiblir, etc. Lui s'en bat les couilles, balance sa Pokéball direct et ça le capture. D'abord, il faut affaiblir le Pokémon désiré. Bon, il nous le dit maintenant. Cool. Que nous dit cette pancarte? Astuce? Ah, capturez des Pokémon et agrandissez votre collection. Plus vous en capturez, plus les combats sont faciles. Waouh. C'est pas vrai ça. Hein. Bref. Route 2, Jadiel, Argentin. D'accord. Hop, on peut passer par là. Oh, il y a une Pokéball. Oh, pas la voir. Encore une Pokéball. Oh, oh. Et voilà, c'est ici donc que va commencer notre forêt. Que veut la madame? Vas-tu dans la forêt de Jade, mon poussin? Fais bien attention. C'est un vrai labyrinthe. Un labyrinthe pour ceux qui ne connaissent pas. Ratata est petit, mais il est vicieux. L'as-tu capturé un? Bien sûr. Forêt Jade. Donc, on va se laisser ici, à l'entrée, à la vraie entrée de la forêt Jade, voilà.
Donc je vous dis à très 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 bientôt pour le deuxième épisode de Pokémon version bleue. Et je vous mets le lien dans la description lorsque l'épisode 1 de LeFighter sortira, mais aussi de son épisode 1 de Pokémon version rouge. Voilà, allez, bye bye tout le monde, à très très bientôt.